je suis venu ici en Côte d'Ivoire voir le président Ouattara, porteur d'un message de son homologue congolais. Il était question de faire le point de la situation politique en République démocratique du Congo, informer aussi le président sur le processus de la révision du fichier électoral, qui est la première condition pour organiser les élections. Mais en même temps, on a passé en revue la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Et en même temps, comme vous savez, entre la République démocratique du Congo et la République de Côte d'Ivoire, il y a des relations historiques et qui même traditionnelles, qui fait que nous devons renforcer nos relations sur le plan bilatéral. Et nous avons évoqué aussi la question de la tenue de la grande commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Mais bien entendu, il y a aussi le sommet de l'Union africaine qui va se tenir bientôt. Nous avons évoqué aussi la préparation de ce sommet et éventuellement quelques points en discussion entre les deux chefs d'État lorsqu'ils vont se rencontrer à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Voilà l'essentiel de discussion que j'ai eue avec le président après le message que je lui ai transmis.